Et salut, c'est Seb, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AMS2. On est parti donc sur la Nordschleife pour un tour de course sur deux présentations de ce combo. Donc le matin et en saison au mois de janvier, parce que vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo, eh bien on peut choisir maintenant les saisons. Alors pas à la façon de Pécars 2, mais on choisit le mois directement. C'est pour ça, en fait, vous voyez la luminosité qui change. Et je suppose que vous devinez, vous voyez un peu les nappes de brouillard, de brume. C'est la guerre ici. Bon, alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, déjà pour vous présenter le combo, mais aussi pour vous expliquer la claque que j'ai pris. Parce que graphiquement, je me demande si cette AMS2 ne devient pas la référence graphique. Oh, alors que là ça se pousse. Vous voyez, il y a plus de, au niveau de la végétation, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Ça change radicalement la vue du circuit. Alors, comme je l'ai dit sur la vidéo, heureusement qu'ils n'ont pas accepté ou mis en fonction la neige, comme c'était le cas dans. Désolé d'en reparler, on est obligé de faire référence à Pécars 2. Pourquoi? Ça fait pas du tort au jeu, enfin j'espère pas en tout cas. Et bon, le moteur est issu de ce jeu, donc ça vous prouve au moins qu'en fait on pouvait faire vraiment quelque chose de superbe avec ce moteur. Si on s'en donne les moyens et si on trouve les astuces. Voilà, brume. En fait, ce combo, on peut le faire dans très peu de jeux, en fait. C'est-à-dire qu'avec ces conditions-là, je pense qu'il n'y a que Assetto, avec tous ces modes, qui permet de le faire. Et d'origine, je crois que c'est avec Pécars 2, c'est le seul. Toujours une optimisation incroyable. Ouah, alors là, on est limite. Ciel, les éclairages, je vous dis, je prends mon pied, c'est j'ai du mal à pas à décrire, je vais pas surjouer non plus. Là, je suis complètement à dérive, mais il est vraiment magnifique. Ce son, vous l'entendez. Si j'ai un reproche et un dernier, c'est jamais s'il y a un développeur qui passe par ici. Un petit reproche ou un petit manque, pour moi, c'est l'ambiance sonore. Les sons, on parle bien des sons, des moteurs, il n'y a pas de souci. Mais à l'instar de ACC et de Restroom, c'est vrai qu'il manque juste ce petit truc qui fait la différence. Pour l'immersion, hein, toujours pareil. Ah, le soleil. Il n'y a pas beaucoup de jeux hein, qui te donnent cette impression de.
d'être ébloui à ce point. Donc on va mettre les essuie-glaces qui commencent à pleuvoir un petit peu. Ah, les couleurs ici d'automne. La brume là-bas dans les arbres. Le FFB qui est pas en reste non plus. Hein. J'en parle pas, mais... on va se méfier quand même ici. Ah, c'est splendide. Je croirais dans Flight Simulator en train de visiter, de me balader et de contempler simplement, mais là les... le rendu graphique il est là, le bitume qui commence à être détrempé. Ah, c'est plus que détrempé là. Ah, c'est une pluie d'orage là. Ça devient délicat, très délicat. Je pourrais passer mon temps à prendre des photos. Ouh là là, déjà qu'elle est délicate sur temps sec cette petite. Ah, je reste en troisième, hein. Sinon je vais me... Ah, et je pense vraiment qu'en termes de graphique, c'est vraiment devenu la ref. Oh, ils sont ralentis là. On va essayer d'en profiter. L'IA qui a du mal. Tout le monde est rassemblé, j'ai l'impression ici. Il y en a qui doublent n'importe où. Ah, la visibilité est très précaire. Hein. Voilà, on est à 3 de front. On est revenu sur la partie sèche. Heureusement, c'est la fin. La fin du tour. Voilà, qui a un gros crash devant, je crois.
Oh oui, oh oui. Est-ce que je vais en profiter? Est-ce que ça passe? On tente. Oh là, monde qu'il y a derrière. Oh, c'était chaud. Voilà, on en termine ici avec ce tour de la Nordschleife. Je voulais vous montrer vraiment le combo alors que là maintenant le jour s'est levé. Je pense que les images pourront parler d'elles-mêmes. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a tellement de choses à voir. Si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment. Voilà, bah moi je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce, le partage si vous le pouvez, et on se dit à une prochaine, tchuss.